Elle n'était pas venue en Asie depuis 2014. En juillet prochain, l'équipe première du Paris Saint-Germain se rendra à Singapour pour participer à l'International Champions Cup 2018. Deux matchs de prestige se joueront en effet le 28 juillet contre Arsenal et le 30 juillet contre l'Atlético Madrid. Tout juste titré champion de France pour la 7e fois de son histoire, le Paris Saint-Germain poursuivra sa tournée à Shenzhen en Chine pour y jouer le Trophée des Champions 2018. Nous sommes très heureux de revenir en Asie pour la première fois depuis 4 ans, a commenté Sébastien Wazels, directeur Asie-Pacifique du Paris Saint-Germain. Le club a beaucoup évolué pendant cette période, il compte désormais 55 millions de fans dans le monde, dont plus d'un tiers en Asie. Cette tournée s'inscrit dans un nouvel élan pour le développement du club. La tournée d'été du PSG va permettre à l'équipe de préparer sa saison en se confrontant à de grandes équipes européennes, d'aller à la rencontre des supporters asiatiques et de faire bénéficier à leurs partenaires de la popularité grandissante dans la région. À cela s'ajoute l'ouverture du bureau Asie à Singapour et la signature d'un partenariat de 20 millions d'euros avec Desports, l'une des agences leaders du marketing sportif en Asie, pour renforcer la présence du PSG dans la région.